Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon hôtel à insectes. C'est une réalisation qui me tient particulièrement à cœur, étant donné que je l'ai faite avec mon fils. J'ai réussi à le décrocher de son écran pour aller faire une balade en forêt, récupérer les matériaux nécessaires, et j'ai même réussi à y filer les outils pour qu'il puisse bricoler avec moi. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. La vidéo est divisée en 4 parties. Dans un premier temps, vous voyez la fabrication et la construction. Là, en l'occurrence, vous voyez les petites mains de mon fils qui s'acharnent à fabriquer cet hôtel à insectes. Dans une deuxième partie, vous verrez une petite animation SketchUp qui vous donnera les cotations, les dimensions et la conduite à tenir pour pouvoir fabriquer vous-même votre hôtel. Dans une troisième partie, vous verrez les matériaux utilisés et pour quels insectes ils sont utiles. Dans une quatrième partie et dernière partie, vous verrez pourquoi on attire tel ou tel insecte auxiliaire. Voilà, bah écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais j'essaye de faire au mieux. Si la vidéo vous a plu en fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. We'll be right back.
Et bien voilà, maintenant il est temps de voir la composition des différentes chambres. Donc dans la partie supérieure, nous avons décidé de mettre deux pots en terre cuite suspendus avec deux petits crochets. À l'intérieur, nous aurons mis de la paille sèche. Dans la première chambre, nous allons mettre des planches de palettes espacées de 5 mm les unes des autres. Dans la deuxième chambre, nous allons mettre une souche avec des trous de 12 mm aléatoirement. Troisième chambre, une niche avec un trou de 20 mm de diamètre. Dans la quatrième et cinquième chambre, nous allons mettre des branches et des pignes de pin classiques. Et dans les trois dernières chambres, nous allons mettre des feuilles sèches, de la paille et des tuiles en terre cuite. Donc la première, les pots en terre cuite vont permettre d'attirer des pince-oreilles et des coccinelles. La deuxième chambre va permettre d'attirer les chrysopes. La souche va permettre d'accueillir les abeilles solitaires. Le bourdon solitaire sera pour lui hébergé dans le trou que nous avons fait en 20 mm, le nichoir. Les pince-oreilles et les coccinelles pourront nicher également dans tout ce qui est branches, les chrysopes, dans les pignes de pin. Les feuilles attireront les carapes. La paille, elle, attirera les pince-oreilles et les coccinelles encore. Et les tuiles attireront encore également les pince-oreilles et les coccinelles. Et bien voilà, maintenant passons à l'utilité des différents insectes auxiliaires que nous allons attirer dans notre hôtel. Donc nous aurons des lutteurs contre les pucerons et les acariens et autres petites bestioles nuisibles qui seront attaquées par les forficules, en l'occurrence les perce-oreilles, par les carabes, par les larves de carabes, par les coccinelles et par les larves de chrysopes. Ensuite, nous aurons les mollusques, escargots, limaces, vers, chenilles, qui seront attaqués par les carabes. Et ensuite, nous aurons les insectes auxiliaires pollinisateurs, représentés par les abeilles, les bourdons, ainsi que les chrysopes. Voilà, bon, mais écoutez, j'espère que vous en savez un peu plus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis pas une spécialiste des insectes, mais bon, c'est toujours agréable de partager. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.